Nous savons tous que l'univers est composé d'une infinité de galaxies, d'étoiles et de planètes. Nous sommes également nombreux à nous douter que quelque part, il existe d'autres formes d'intelligence. En revanche, rares sont ceux à accorder du crédit à la théorie selon laquelle il existerait des mondes parallèles, au sein desquels chacun de nous aurait un alter ego à la fois si ressemblant et si différent. Au revoir! Ah voilà! Je viens offrir des cadeaux aux gens d'Ether City et c'est comme ça que vous me remerciez! Je veux pas que tu te plains, les marrons, les châtaignes. C'est tellement dans l'esprit de Noël. On ne te laissera pas envoyer des gens innocents dans des dimensions parallèles. Ça, tu vois, c'est très égoïste de ta part. Les gens raffolent des voyages gratos. Ton tir va encore finir dans un vortex et probablement tu es déjà innocent dans un autre monde. Parlons de ton acolyte. Tant que je ne l'attaquerai pas, son pouvoir ne se chargera pas. Et au train où vont les choses, on sera encore là pour le nouvel an. Une analyse pertinente à un détail près. Le gamin et moi, on n'est pas dans le même camp. Lui qui aimait tellement faire la fête, il est parti en feu d'artifice. Un peu plus et j'y passais. Heureusement, mon exosquelette a tenu bon. Ça doit être ce qu'on appelle le miracle de Noël. En parlant de Noël, vous allez passer le vôtre avec moi! Ça vous apprendra à contrecarrer mes plans! Ok. Il nous a entraînés dans une autre dimension. C'est pas comme ça que j'imaginais mon réveillon. Relax. Dans l'état où il est, il ira pas bien loin. Suffit de le localiser, se montrer persuasif, et tu seras rentré à temps pour déguster ta dinde de Noël. Et comment tu comptes t'y prendre? On sait même pas par où il est parti. Bien sûr que si. Tout à l'heure, lors de notre petite passe d'armes, je lui ai mis un mouchard sur le col. Justement dans le cas où ce genre de situation se présenterait. Il est... par là. Je les déteste! Ils ont gâché tout mon petit plaisir de Noël! J'ai des quotas à respecter, moi! Qui va empêcher les gens d'être heureux si je suis pas là pour... Ah, Meumeu, te voilà. C'est pas trop tôt. Oh, sympa ton skin de Noël. Où est-ce que tu l'as looté? On s'en contrefou! Le temps joue contre nous! Alors crache le morceau! Pourquoi il ne s'est rien passé? Mais de quoi vous parlez? Et voilà, mais je vous l'avais dit qu'il fallait pas confier cette mission à cet incapable. C'est bizarre, d'habitude c'est le plus fiable et le plus rapide des messagers. Tu étais censé courir jusqu'à Fordyson Jones pour valider la quête. Qu'est-ce qui t'en a empêché? Qui ça? Fordyson Jones, le dernier PNJ, celui qui conclut les veines de Noël. Ne me dis pas que tu as oublié. Bon écoute, on a tous fait notre part du boulot pour contrer la guilde de Pro Game Master. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Alors si à cause de toi... on se fait doubler, d'une manière ou d'une autre. Comme à Pâques et Halloween, esprit de Noël ou pas, je vais t'envoyer direct au cimetière et t'y camper toute la nuit. Et si tu t'y mettais dès maintenant? Bah, de mieux en mieux. Non seulement ils t'ont suivi, mais en plus ils ont trouvé le PNJ avant nous. Oh putain, celle-là, tu l'as pas volé. Attends, il y a quelque chose qui cloche. Quoi? Pourquoi le haut fait de Noël n'a pas été débloqué alors qu'ils ont mis la main sur Fordyson Jones? C'est vrai ça. Normalement, l'affaire devrait déjà être pliée. Justement, c'est pour ça qu'on est venu à votre rencontre. Ouais, qu'est-ce que vous avez foutu avec les cadeaux? Les cadeaux? Avez-vous retrouvé les 1000 cadeaux égarés en oliderie par le Père Noël? Mais il va se taire à la fin, lui! Je peux plus te l'entendre répéter cette petite phrase! Et si tu arrêtais de répéter le mot-clé qui le fait réagir, on serait peut-être moins à cran? On a repéré le Père Noël sur le site du crash de traîneau à Vulca. On l'a escorté jusqu'en Polaris pour qu'il puisse se régénérer dans la glace. Et au moment de looter les cadeaux... Les cadeaux? Avez-vous... Bref, pas moyen d'en trouver plus de 7, on est loin du compte. On a cru que c'était un bug, alors on a fait une requête MJ, mais ils nous ont affirmé que ça venait pas du jeu. Alors on s'est dit qu'il était temps de vous rendre une petite visite. On dirait que notre plan a mieux marché que prévu. Comment ça? On a mobilisé tous les partisans de l'Empire et de la Coalition pour la récolte de cadeaux. Amarra ses fantômes les stocke dans un endroit secret, jusqu'à ce qu'on valide la quête.
Votre transhumanisme vous donne peut-être un avantage dans certaines situations. Mais vous ne pouvez rien face aux ressources colossales de l'alliance entre la Guilde Justice et la Guilde Roxor. Maintenant, vous allez rentrer bien sagement d'où vous venez et vous allez nous laisser Fordyston Jones. Même pas en rêve. Soyez pas mauvais perdant, on vous a coincé. Vous pouvez plus finir la quête. Non, en effet. Mais vous venez de dire que Phantom et Amara s'étaient occupés ailleurs. Et sans eux, vous pouvez pas vous débarrasser de Colis et Titan pour atteindre le PNJ. Vous êtes pas beaucoup plus avancés. Alors ça reste à voir. On est nombreux à faire partie du top 10 du classement. Eh oh ! Phantom et Amara, c'est pas les seuls champions sur le marché. Si je devais énumérer tout ce qu'il y a de légendaire chez moi, on passerait le réveillon ici. Bon allez, par ici le PNJ. Mais où est-ce que j'ai atterri, moi ? C'est quoi cette dimension de barge ? Je crois que c'est Gift qui a fait ça. En tout cas, le mouchard indique qu'il est là-bas. Faut y aller. Grâce au ciel, vous voilà ! Ces fous s'entretuent pour des cadeaux ! Alors, aidez-moi à me relever et protégez-moi que j'utilise mes dernières forces pour nous ramener à la maison. N'en doutez plus, il existe une infinité de réalités alternatives et parfois, elles se croisent sans que personne ne s'en rende compte. Vous-même, qui êtes tranquillement installé devant votre écran, vous êtes persuadé d'arriver à la conclusion d'un épisode spécial Noël mêlant les univers de Noob et Warp Zone. Mais détrompez-vous. Thomas, viens ouvrir tes cadeaux de Noël, sinon ton frère va tout garder pour lui. J'arrive, grand-mère. À chaque fois que vous vous plongez dans les mondes de l'imaginaire, vous entrevoyez une réalité. Peut-être est-elle issue d'une autre dimension, d'un monde virtuel, du passé, du futur ou juste là, sous votre nez. Mais j'y arriverai, hein. Même si je dois y passer le nouvel an, le réveillon, Pâques, la chandeleur, y a quelqu'un ? Je crois que j'ai entendu un bruit.